C'était mon premier voyage en solitaire. Je m'étais déjà bien entraînée à l'intérieur du château. Mais là, ma plume allait avoir droit à sa première entaille. Tout bon chercheur d'aventure sait comment se préparer. Et c'est certainement mon cas. La légendaire corde d'aventurier de graines, j'ai. L'arc d'Achaka qui a servi à grand-père dans ses quêtes, j'ai. Qui sait sur quoi on peut tomber? Une bonne hachette, j'ai. Je crois que c'est tout. Allez, les Yarble Snoof, montrez-vous, sortez de votre trou. Je veux mon badge de pisteuse. Quoi? Une reine doit développer sans cesse de nouvelles compétences. Il faut viser la perfection. Bon. D'accord, c'était plutôt pas mal. Sûrement des traces de Yarble Snoof. On trouve ses empreintes partout dans les écuries du château. Et... ce sont bien des snuts. Ça devrait faire l'affaire. Et voici le Yarble Snoof. Il paraît qu'ils sont insaisissables. Mais à mon avis, tout le monde les trouve casse-pieds. Et personne n'a envie de les avoir en ville. Pourquoi veulent-ils à tout prix garder leur tête dans l'obscurité? Des cordes d'aventurier 100% naturelles. Pourquoi veulent-ils à tout prix... Je ne savais plus trop ce que les Yarble Snoof aimaient manger. Mais j'étais sûre que c'était dans cette forêt. Les Yarble Snoof semblent adorer l'obscurité. Leur nourriture doit sûrement pousser dans l'ombre. Bien sûr! Des champi-sucres! Bon, je dois trouver un moyen d'atteindre ces champi-sucres. Je n'avais jamais vu de telles traces. Qu'y a-t-il d'autre ici? Huh.
qu'aurait fait grand-père? J'avais l'impression de... plus savoir quoi faire. Puis je me suis souvenue. Quand j'étais scout chez les Louvettes Wetzel, il fallait rester calme et bien observer autour de soi. Et ici, nous avons le snut. Le manuel des louvettes dit qu'ils peuvent bondir jusqu'à 10 mètres. Mais je n'y crois pas trop. On ne devient pas scout chez les Louvettes Wetzel sans savoir reconnaître des traces de blaireaux. Un petit repas pour un petit animal. Grand-mère m'a prévenu que les snuts ont le pas vraiment lourd. Mais c'est la première fois que je le constate. Je me demande si on peut les convaincre d'aller marcher ailleurs. Grand-mère. Grand-mère. Ça ne marchera pas. Ça m'étonnerait. Non. C'est à moi, ces empreintes? Je me souviens pas être passée par ici. Désolée de t'avoir dérangée. Je me cacherai ici une fois le piège posé, pour ne pas effrayer les Yarblesnouf. Ça m'a l'air assez souple pour fabriquer un piège. Maintenant j'attends, caché.
te rend ta liberté. Je t'ai eu. Allez, saute dans ma capuche et on peut partir. Je me demande pourquoi les snuts aiment autant ça. Bon, je dois trouver un moyen d'atteindre ces champi-sucres. Ça ne marchera pas. Quelle drôle d'idée! Je dois trouver un moyen d'atteindre ces champi-sucres. Champi-sucre.
des cordes d'aventurier 100% naturelles. La bonne longueur. Maintenant, j'attends, caché. Je te rends ta liberté. Tu peux me dire comment on attrape un Yarbol Snoof ? Maintenant, j'attends, caché. Je t'ai eu. Allez, saute dans ma capuche et on peut partir. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je peux t'aider. C'est toi qui t'es mis là-dedans, pas moi. Moi, je cherche juste des Yarbol Snoof. Oui, oui, je te fais descendre. Je vais te tirer dessus au lieu d'utiliser ma hachette. Presque! Presque! Chucky! Shrekie? Dragon ? Chaka ! Tu connais Chaka ? Chaka ! Oui, c'est Chaka. C'était un ami de la famille. Shrekie morte à Chaka. Tasuke morte Shrekie. Morta ? Juste un Shrekie. Les dragons, c'est super. Chou crème.
ça ne marchera pas. Ça m'étonnerait. Le faire. Oh, c'est un lama! Bouta! Je vais y arriver. Allez! Afanada! Afanada! C'est presque ça! Continue! Bouta! Génial! On vient juste de battre tout un groupe de Yarbelsnouf, virevoltant et tournoyant, et le dragon le plus menaçant que j'ai jamais vu. Bon, je n'avais jamais vu de dragon, mais on a réussi. J'arrive pas à croire que j'ai dû utiliser l'arc d'Achaka. On est un duo d'archers, pas vrai? Je veux pas te combattre, hein. T'es sûrement plus forte que moi, mais on peut être des amis archers. Je pensais pas réussir mon tir. En fait, j'ai jamais réussi un tir. Mais tu y as cru, et j'ai réussi. Et puis t'as acheté la corde, et puis bah, on a réussi. C'était une aventure géniale. Et je vais avoir mon écusson de Louvette Wetzel. Et en plus, j'ai une nouvelle meilleure amie, et c'est trop génial. Oh, désolée. Je m'emporte un peu vite dès qu'il s'agit d'aventure. Afanata! Je suis la reine Gwendoline, la petite fille du roi Graham le Charitable. Taskia. Achaka. Grand-p... Oh, Achaka était ton grand-père? Mon grand-père m'a donné ça. Mais sans Achaka, je ne serais pas là. Donc il te revient. Vraiment? Afanata. J'espère qu'on repartira à l'aventure, Taskia. Peut-être avec moins de Shreki. Shreki! Non, ça va. Il voulait pas te faire de mal. En plus, ce n'est pas le même dragon. Tu vois? Il a juste faim.
Un gentil dragon.